Dans cette série dédiée au portrait corporate, je réponds à des questions diverses et variées. Et aujourd'hui, la question c'est pourquoi, pour quelle utilisation je pourrais avoir besoin d'un portrait corporate, voire de plusieurs? Allez, jingle et je vous explique. Alors, quelle utilisation pour les portraits corporate? Souvent, mes clients, ils viennent avec l'idée: ah, bonjour, j'ai besoin d'un portrait corporate. Et ils pensent qu'ils ont besoin d'un portrait. C'est rare qu'on ait besoin que d'un seul portrait. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs interlocuteurs en général. En tant que professionnel, vous avez des interlocuteurs en interne et en externe. La plupart du temps, c'est le cas. La plupart du temps, vous avez aussi besoin et vous exprimez et vous parlez différemment à ces différents interlocuteurs. L'autre critère, c'est aussi vous avez plusieurs endroits, plusieurs plateformes dans lesquelles vous allez utiliser votre portrait corporate. Je vous donne des exemples assez basiques. La signature de mail, les cartes de visite, les réseaux LinkedIn et autres, les réseaux internes dans votre entreprise, peut-être un site internet, surtout si vous êtes indépendant, et plein d'autres choses que même moi, je ne peux pas encore imaginer. La question qu'il faut se poser, c'est combien j'ai d'interlocuteurs différents et quel est mon message différent pour chacun de ces interlocuteurs? Et la troisième chose à prendre en compte par rapport à quelle utilisation et combien de portraits différents j'ai besoin d'utiliser concerne surtout les solo-entrepreneurs ou ceux qui communiquent beaucoup avec leur propre image pour raconter l'histoire de leur entreprise, pour porter l'histoire de leur entreprise, ce qui veut dire porter le message de leur entreprise. Imaginez un indépendant qui a plusieurs réseaux sur lesquels il communique autour de sa marque. Il a LinkedIn, il a Instagram, il a Facebook, il a TikTok, il a plein d'autres choses, y compris les mails, et peut-être même une chaîne YouTube. Sur tous ces différents réseaux, à des différents moments de l'année, il peut utiliser des portraits de lui qui sont très différents. Une fois, ça peut être très sérieux, une fois, ça peut être rigolo, une fois, ça peut être quotidien, une fois, ça peut être quelque chose de très soutenu, limite gala, cocktail ou quelque chose comme ça. Il y a plein de messages différents qu'on peut rencontrer avec ces portraits à soi. Et aussi, si on est un entrepreneur qui produit un produit bien physique, qui est vendu, cet entrepreneur, il peut aussi avoir des images de lui-même avec son produit. Son produit à la main, son produit sur la tête, son produit devant une table ou en utilisation. Ça, ce sont des photos d'illustration. Mais ça fait partie du portrait d'un entrepreneur. Par exemple, Christine. Christine est la créatrice de la marque Rêve à soi. C'est une marque de vêtements et Christine est aussi formatrice en couture et modélisme pour les amateurs et les professionnels. La séance photo de Christine s'est déroulée sur différents briefs. Ses besoins ont été d'un portrait classique. Nous avons fait ce portrait classique qui, elle porte sa propre robe qui est assortie à sa charte graphique, à ses goûts et ses couleurs et c'était un portrait qu'elle peut utiliser partout. Le deuxième portrait que nous avons décidé de faire, c'est quelque chose qui va montrer un peu plus son dynamisme. Elle est debout, elle va vers l'avant, une main dans la poche, c'est quelque chose de plus décontracté et en même temps plus engageant parce qu'elle est souriante vers l'objectif. Et le troisième portrait que nous avons décidé de faire, il est plus illustratif. Nous avons créé une ambiance dans le studio dans laquelle Christine, elle est debout. Elle est fière avec ses propres vêtements et elle tient un rouleau de tissu parce que c'est sa matière première. Et le contentement qu'on voit dans son expression, sa pose qui est très fière, elle illustre bien son aise et son envie de continuer à travailler dans son domaine. Donc en conclusion pour cette vidéo, je pourrais dire, réfléchissez à qui vous vous adressez et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire. Et après, on en parle. Et pour être sympa. Et parce que ça nous aide beaucoup, abonnez-vous sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui suivent sur plein de questions qu'on me pose dans le portrait corporate. À très bientôt! Jingle!